fais quoi là, toi? T'es encore en train d'écrire un mail qu'on lira jamais ou... J'allais me préparer à présenter la cérémonie de remise des diplômes. Let's go. C'est parti. Nous sommes heureux de vous accueillir pour cette première cérémonie de diplômes d'IMT Atlantique. Nous allons donc commencer cette cérémonie aux côtés de Laurence Lecoq, qui remplace Anne Beauval au poste de directrice déléguée en plus de ses responsabilités en tant que directrice de la recherche. Faites partie de cette belle et grande famille d'IMT Atlantique. Et je voulais vous dire qu'il était important de, dans votre carrière professionnelle, de prendre du plaisir et aussi et surtout d'oser prendre des directions qui ne sont pas toujours des directions simples. Félicitations. Et puis comme nous sommes réunis à Brest pour cette remise des diplômes, eh bien, je vous souhaite aussi bon vent. On enchaîne avec le président d'IMT Atlantique Alumni, Xavier Raer. Vous allez devenir des ambassadeurs de l'école, dans les entreprises et plus généralement dans le monde économique. Et vous pouvez aussi maintenant vous impliquer en participant au réseau, en participant aux actions. Et vous pouvez également porter des actions, nous vous aiderons pleinement dans ces nouvelles missions. Toutes mes félicitations et à bientôt dans le réseau. Une légende que l'on ne présente même plus au sein de cette école qu'il a bâtie de ses propres mains. Il a su verser sang et sueur pour cette école qu'il quitte aujourd'hui, avec, on l'espère, beaucoup d'émotions que nous partageons avec lui. J'ai nommé le grand polo, Monsieur Paul Friedel. C'est vraiment un moment, comme vous l'avez dit, très émouvant. Un moment unique qui couronne une espèce de folie qui est née un peu dans ma tête en 2012 et assez rapidement dans la tête d'Anne Beauval aussi. On a vraiment bâti quelque chose de radicalement nouveau. Tout le monde a énormément travaillé pour faire d'IMT Atlantique l'école qu'elle est aujourd'hui et que vous représentez, que vous allez représenter dans le monde professionnel. Je pense que IMT Atlantique, c'est aussi un petit morceau d'humanité. Il y a 70 nationalités présentes dans l'école. C'est essentiel de vivre ensemble, de parler ensemble, de rire ensemble. Prenez vos responsabilités, soyez des citoyens qui transforment la société pour un avenir durable. Merci beaucoup. Vous connaissez pour son mindset qui a fait de lui une des grosses pointures d'Orange, ancien diplômé des mines de Nantes. Nous accueillons Stéphane Canis, directeur d'Orange Cloud for Business et parrain de la promotion 2021. Cette journée, c'est la vôtre. Aussi, je voudrais me permettre de vous partager peut-être 4 conseils que j'aurais bien aimé recevoir il y a quelques années. J'espère que vous en ferez un bon usage. Le premier, c'est l'ouverture vers l'international. Le multiculturalisme et aussi l'esprit multigénérationnel, c'est une formidable richesse. Si vous avez l'opportunité de le faire rapidement, surtout, foncez. Faites preuve d'intelligence situationnelle en toutes circonstances. Il y a toujours dans les situations difficiles des opportunités, sachez les saisir. Entourez-vous de personnes qui sont plus compétentes de vous. C'est comme ça que vous allez progresser. Et enfin, pratiquez l'introspection. Essayez de faire tous les jours le bilan de ce que vous avez bien fait, de ce que vous aurez pu mieux faire, sans tomber dans l'autosatisfaction, mais sans tomber non plus dans la paralysie face aux erreurs. Bravo à tous et merci beaucoup. Il est temps de débuter la remise des diplômes et nous accueillons Nicolas Montavon, responsable du pôle doctorat. Étrangers et ont choisi IMT Atlantique. Merci d'applaudir Francine Awam-Nimon et Valérie Burdin. Marek de monter sur scène pour la remise des diplômes à la première promotion des masters spécialisés cybersécurité des infrastructures maritimes et portuaires.
poursuivons en accueillant Emmanuel Brault, qui célèbre également la première promotion de Master spécialisé infrastructure cloud et DevOps. Nous appelons maintenant Romaric Ludinard, responsable du master spécialisé cybersécurité, co-délivré avec Centrale Supélec. Enfin, pour le master spécialisé informatique appliqué à la décision bancaire et actuarielle, merci d'accueillir Sorine Moga. Nous accueillons maintenant Philippe Mussa, responsable des formations par apprentissage. Présents aujourd'hui et seront appelés par groupe. On va commencer avec les adeptes du Fab Lab qui ont dû y croiser ces deux personnes suivantes, Charlotte Langlais et Sylvie Carouédan, pour les cyborgs. La main verte, on appelle Loming Hamon et Audrey Villotte pour diplômer les énergétiques. De Sylvie Carouédan et de François de Corbière, je vous demande d'accueillir le groupe des expatriés. Merci.
nos futurs consultants, François Deltour et Myriane Le Goff, pour diplômer les pilotes. Touche à sa fin. Nous invitons tous les diplômés présents à nous rejoindre sur scène pour la grande photo finale.